Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Apprenons le français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ahlan bikum fi qanatikum linata'allam al français. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on va continuer avec les classes de mots. Al-yawm bi'ibnillahi ta'ala sawfa nuwasil ma'a aqsam al-kalima. Cette fois-ci, on va parler du nom et du déterminant. Le nom et le déterminant. هذه المرة بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الاسم وأداة التعريف والتنكير. On dit déterminant et on dit aussi article. نقول déterminant كما يمكن أن نسميه أيضا article. Donc déterminant c'est la même chose que article. Le déterminant. Il y a deux types de déterminants. يوجد نوعين من أدوات التعريف والتنكير. Le déterminant. Il y a le déterminant indéfini, أداة تنكير, et le déterminant défini, أداة تعريف. On donne maintenant des exemples pour les déterminants indéfinis. نعطي أمثلة حول أدوات التنكير. Exemple. Un cahier. كراس. كراس. اسم مذكر مفرد نكرة. On dit un. Un cahier. Une voiture. سيارة. سيارة. اسم مؤنث مفرد نكرة. سيارة une voiture. Un ouvrier. عامل. Un ouvrier. On passe maintenant au pluriel. نمر الآن إلى الأسماء النكرة في الجمع. Le pluriel d'un cahier, c'est dit cahier. جمع كراس كراريس. Le pluriel d'une voiture, c'est des voitures. جمع سيارة سيارات. Le pluriel d'un ouvrier, c'est des ouvriers. Des ouvriers. جمع عامل هو عمال. Donc, on utilise les articles ou bien les déterminants un, une pour des noms singuliers. نستعمل un ou une les تعبير عن أسماء مفردة et on utilise des pour des noms pluriels. ونستعمل des les الجمع. Un c'est bien sûr pour le masculin et une pour le féminin. Un يستعمل للمفرد المذكر وإن للمفرد المؤنث et دي bien sûr pour le pluriel soit féminin soit masculin. ونستعمل دي للاسم الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. Je passe maintenant aux articles définis. نمر الآن إلى أدوات التعريف. Le village. القرية. القرية اسم مفرد معرف. Le village. La ville. المدينة. La ville. المدينة اسم مؤنث معرف. La ville. Donc on utilise le pour le masculin et la pour le féminin. Le يستعمل للمذكر ولا تستعمل للمؤنث. L'arbre, الشجرة. On peut utiliser L apostrophe. Le L apostrophe s'utilise pour un nom masculin ou féminin qui commence par une voyelle. L apostrophe يسمي الاسم مذكر أو مؤنث يبدأ بحرف متحرك. Et on a déjà vu c'est quoi les voyelles. رأينا من قبل ما هي حروف المتحرك. A, O, U. Ce sont des voyelles. Donc, pour le nom qui commence par une voyelle, on utilise l'apostrophe. L'ism, الذي يبدأ بحرف متحرك, نستعمل
الأبوستروف سواء كان مذكرا أو مؤنثا. لي فيلاج القرى le village c'est le singulier, les villages c'est le pluriel. Le village mufrad, les villages jama. Les villes al-mudun, les arbres al-ashjar. Donc on utilise les pour un nom pluriel. Nestamel li al-jama. Le la à l'apostrophe c'est pour le singulier. Le la à l'apostrophe tustamel li al-mufrad, li tustamel daiman li al-jam'. On a terminé le déterminant défini et indéfini. Anhayna al-an ma'a adawat at-ta'rif wa at-tankir. On passe à une autre chose, le nom. On a terminé les déterminants indéfinis et les déterminants définis. On passe maintenant à autre chose. Le nom. Namor ila al-ism. Il y a deux types de noms. Yujad nawain min al-asma. Le nom commun. Le huwa ism adi. Et le nom propre. اسم عالم يوجد نوعين من الأسماء اسم عادي واسم عالم. On donne maintenant des exemples pour des noms communs. نعطي أمثلة لأسماء عادية. Par exemple, un nom رجل. Un nom c'est un nom commun, اسم عادي. Une femme امرأة. Un pays بلد. Une ville, Medina. Donc, un homme, une femme, un pays, une ville, Rajul, Imra'a, Balad, Medina, et Asma, Adiya. Je passe au nom propre. Namor ila al-a'lam ou Asma a'lam. Par exemple, Ahmed. Ahmed, ce n'est pas un nom commun. Ahmed, laysa ism adi. C'est un nom propre. Ism a'lam. Fatima. Fatima, ce n'est pas un nom commun. C'est un nom propre. Italie, c'est un nom propre. Sitif, c'est un nom propre. Donc, en français, il y a des noms communs, il y a aussi des noms propres. في اللغة الفرنسية توجد أسماء عادية نجدها في القاموس وأسماء أعلام لا توجد في القاموس. C'est ça le nom en français. هذا هو الاسم في اللغة الفرنسية. On est arrivé maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère bien que vous avez tous compris. N'oubliez pas toujours de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et au revoir. انتهينا من درس اليوم. أتمنى أنكم فهمتموه. إلى لقاء آخر. أستودعكم الله والسلام عليكم.